YouTube, wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicle sur la map Ascension. Donc c'est un tutoriel qui consiste à débloquer le trophée L'Envol. Donc grâce à ce trophée, je vais pouvoir vous montrer en même temps comment allumer l'électricité et comment obtenir le pack à punch, parce que le trophée L'Envol va débloquer le pack à punch et il faudra allumer l'électricité pour débloquer le trophée L'Envol. Donc voilà, quand vous êtes au spawn, vous ouvrez par ici hein, et là vous montez tout en haut et il y aura le premier truc à activer, ce sera l'électricité. Ensuite on ira donc voilà, on ouvre ici. Ensuite on va déjà aller activer la première plateforme. Donc il y a trois plateformes comme ça à activer, donc on va aller activer celle-ci en premier. Voilà, donc vous appuyez ici, vous attendez que la plateforme arrive. Donc surtout ne vous mettez pas là parce que sinon elle va vous one shot. Voilà, là voilà. Ensuite vous montez dessus, ça vous coûtera 500 points. Donc voilà, il faut au moins avoir les 500 points. Voilà, ah non, c'est 250 points. Donc là le zombie n'est pas mort, hein, il va juste respawn. Donc là ça va vous ramener, ça vous ramènera toujours au spawn. Donc là, ou alors il faudra qu'un autre de vos collègues, par exemple si vous êtes sur la plateforme, un autre collègue vous l'appelle à un autre endroit. Si vous êtes sur la plateforme en même temps, bah, bien sûr que ça ne vous ramènera pas au spawn. Donc là on va aller prendre la deuxième plateforme qui se trouve près de l'atout Windows Wine. Donc l'atout araignée, voilà, qui se trouve à l'ancien PH développeur pour les anciens. Mais bon, je suppose que vous n'allez pas regarder ce tuto les anciens, donc voilà. Donc là on doit attendre que l'atterrisseur se ravitaille. Donc là je vais couper la vidéo et je vous dis à tout de suite quand ce sera prêt. Bah voilà, c'est prêt. Voilà. On n'a pas besoin d'attendre longtemps. Donc là bah, on va attendre juste que la plateforme arrive. Hein. Voilà, nickel. Oh zut. Ah non, ça va, je ne sais pas. Donc là on active la deuxième plateforme, il va falloir faire ça trois fois. Voilà, donc là vous pouvez directement partir par la droite hein. Enfin si vous voulez ouvrir, bon beaucoup de personnes ne veulent pas ouvrir cette porte, mais bon donc demandez d'abord avant d'ouvrir. Ou si vous êtes en solo, ben là vous vous en foutez. Donc je suppose que vous avez compris que l'électricité, il y a besoin de l'allumer qu'une seule fois, où je vous ai montré en début de vidéo. Donc voilà, là c'est la troisième plateforme, donc il va falloir l'appeler. Ah non, elle se ravitaille, on va attendre un peu. Voilà, parfait. Voilà. Hop. Donc ça c'est la troisième et dernière plateforme. Quand vous aurez fini de prendre cette plateforme, vous débloquerez le trophée L'Envol. Ensuite je vais vous montrer comment activer le pack à punch, car en réalité pour activer le pack à punch il faut prendre cette plateforme des trois endroits. Regardez là, la fusée est à moitié verte, voilà, enfin trois quarts verte, voilà. Donc là quand la fusée elle est prête et que vous avez pris les trois plateformes, vous pouvez retourner à l'électricité, donc tout en haut à gauche du spawn, tout en haut du spawn plutôt. Et là vous allez pouvoir activer la fusée. Donc je tiens à préciser que si vous avez un pistolet laser, donc là vous activez tout simplement ici, activez la séquence de lancement. Donc je tiens à préciser que si vous avez un pistolet laser, vous allez pouvoir la détruire. Donc dès qu'elle décolle, vous tirez avec votre pistolet laser et le pistolet laser détruira la fusée. Et en dessous de la fusée apparaîtra un spawn, un bonus de 200, de 2x2, voilà, un bonus x2. Donc voilà, c'est pour la petite information. Et ensuite quand vous avez activé la fusée, ben, vous avez accès à la plateforme ici. Et là se trouve le pack à punch tout simplement. Donc voilà, vous avez le pack à punch, vous avez le trophée, L'Envol et vous avez l'électricité activée. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum pour m'aider à évoluer sur YouTube. Et à commenter si vous avez quelque chose à dire ou autre. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace. Yummy, bruh.